Alors, j'aimerais en profiter pour que nous regardions. On a fait une découverte hier et j'aimerais que tu regardes du côté de celle qu'on a appelée ceux du bureau. Si toi, tu peux te connecter à ces entités et voir les informations que tu peux en récolter. Donc, pour ça, tu peux te connecter à la séance donc d'hier et voir où ça t'amène. Ça m'amène au-dessus de la matrice artificielle terrestre. Oui. Y a comme des sortes de lutte de pouvoir et de partage du territoire. C'est comme si l'espace, c'est-à-dire le système solaire, était comme une pièce d'un échiquier beaucoup plus important. Et eux, dans la hiérarchie, où est-ce que tu les situes par rapport aux archontes et à l'intelligence artificielle? C'est buissonnant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de hiérarchie pyramidale. Les systèmes de hiérarchie pyramidale se font au niveau local, mais quand on part sur, bien que le terme ne soit pas exact, sur des distances beaucoup plus importantes, hein, ou dans une sorte de globalisation au niveau de l'univers ou même des univers, là, il n'y a plus ce système de hiérarchie pyramidale. C'est plutôt buissonnant. D'accord. Mais donc nous, on a vu que ces entités étaient bien au-dessus des archontes et même de l'intelligence artificielle qui est Oui, la. parce que les archontes et l'intelligence artificielle sont dans une sorte de système de contrôle ou de hiérarchie pyramidale au niveau local, D'accord. bien qu'ils interviennent sur plusieurs systèmes pyramidaux localement. Au-dessus, il y a encore, enfin si on peut s'exprimer ainsi, au-dessus, ou en tout cas au-delà, il y a d'autres consciences qui perçoivent l'univers entier comme une sorte de jeu d'échiquier. Et dont chaque système solaire, chaque galaxie représente des pièces, comme des pièces de puzzle, et que l'on peut organiser les unes par rapport aux autres. D'accord. Donc on a vu qu'ils étaient directement impliqués par tous ces systèmes, on va dire, de domination sur Terre qui est à l'origine de toutes ces, de tous ces programmes de domination à travers voilà, ce qu'on appelle l'état profond et tout ce qui est derrière, enfin, C'est tous ces comme programmes qu'on conçu nous-mêmes. une sorte de délégation de pouvoir, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que chaque espèce a ses propres objectifs et délègue comme des sortes d'objectifs à remplir et avec des délégations de pouvoir, avec carte blanche pour obtention des résultats. D'accord. Eux-mêmes sont soumis à ces obligations de résultat. Ça n'est plus pyramidal à ce niveau-là. Comme dit précédemment, c'est buissonnant. Alors, j'aimerais que tu dises d'où ils viennent ceux-là. Quelle est leur origine? Ils ne sont pas rattachés à un univers en particulier. Ils sont là, je ne sais pas si on peut parler de lieu d'habitation, mais ils sont là en déplacement entre les univers. Ok. Donc on a vu que c'était des forces involutives. Oui, parce qu'ils cherchent à asseoir leur pouvoir et à asseoir leur stabilité dans des zones d'univers donné, puisque un univers entier, c'est comme si c'était un objectif à atteindre, mais qui, en tout cas à leur stade-là, est impossible pour le moment. Et à quoi est-ce qu'ils ressemblent alors ces êtres-là? C'est comme des sortes d'ombres sombres multiformes. C'est-à-dire que ils prennent forme, des formes différentes suivant là où ils se dirigent ou suivant là où ils se manifestent.
Mais la forme initiale et primordiale n'a pas de forme. Il y a seulement l'information de leur fréquence et de leurs intentions. D'accord. Donc, on les a nommés ceux du bureau. J'aimerais que tu regardes, toi, de ton côté, comment est-ce qu'on peut les nommer. Pourquoi, d'ailleurs, pourquoi on les a appelés du bureau? Il n'y a rien qui vient comme information par rapport à ce sujet-là de bureau. Ça ne correspond pas. C'est comme si c'était une interprétation, quelque chose, comme une sorte d'intention de poser un mot pour la compréhension. D'accord. Comment est-ce qu'on peut les nommer ces entités alors? Puisque du coup, on vient juste de les découvrir et je ne pense pas qu'on ait eu conscience de leur présence jusqu'à présent. La conscience de leur présence n'était pas là justement puisqu'il n'y avait pas de mots posés sur eux pour les nommer. Mais le fait de poser un mot sur leur présence, il y a quelque chose de réducteur hein, puisque ça vient se rattacher à un cadre de référence. Hein. Mais un cadre de référence humain qui lui-même n'a pas la possibilité d'appréhender la totalité de la réalité. D'accord, mais malgré tout, est-ce qu'on peut leur donner un nom pour pouvoir les identifier? Tout nom est une... Il y a quelque chose de réducteur dans le fait de poser un nom, parce qu'un nom, c'est un son, et un son, c'est une énergie. Et toute énergie humaine, ou toute section d'énergie humaine qui forme un son et donc par extension un nom, ça a quelque chose de réducteur hein, et ça vient même bloquer l'accès à l'information. Je ne sais pas si c'est clair ce que bon, je dis. Alors comment eux-mêmes se définissent, comment ils se désignent, ils se nomment, ils s'identifient? Ils ne se nomment pas. Ils ne se nomment pas parce qu'ils sont dans une sorte d'inversion par rapport à la création, puisque le verbe est création et eux sont en opposition à la création. Donc, ils n'ont pas de nom. Ils ne peuvent pas être définis par un verbe. Bien. Alors, on a vu qu'au départ, ces êtres étaient des entités positives qui, à un moment donné de leur histoire, se sont inversées en négatif. Si tu cherches l'information, à quoi ça t'amène, toi? Ça m'amène à des tourbillons d'informations qui proviennent directement de la source et qui viennent s'organiser les uns par rapport aux autres. OK. Et à un moment donné, il y a une séparation, comme une sorte de séparation nécessaire pour l'équilibre. Tu veux dire que c'est une création de la source? Au départ, oui, c'est une création de la source. Mais masse d'énergie, on va dire créée, expulsée de la source dans une manifestation donnée, il y a le libre choix et l'indépendance, le libre arbitre. Et de ce libre arbitre-là, ces particules de conscience de la source elle-même qui s'expérimentent viennent se positionner les unes en positif, les autres en négatif pour créer un équilibre. D'accord. OK. Donc tout ça fait partie du plan divin, évidemment. Oui. Bien. Bon, et donc leurs objectifs, c'est quoi alors du coup? Comme sur un échiquier, c'est avancer leur pion. S'expandre, s'expanser. Prendre du pouvoir. Mais c'est une sorte de jeu. D'accord. Et donc en relation avec ce qu'on appelle les archontes et l'intelligence artificielle, comment ils se situent eux? Au-delà,
au-delà comme des forces de. C'est comme s'ils étaient en amont pour en inspiration pour donner l'idée. Eux ne peuvent pas agir directement, donc ils ont besoin, on va dire, d'intermédiaires sur des formes d'énergie qui sont plus manifestées sur un plan physique. Là, en l'occurrence, les archontes. Ils se servent d'eux comme interface et comme inspiration en arrière-plan. Et il y a une délégation de pouvoir hein, avec carte blanche, comme expliqué précédemment. Donc, tu veux dire qu'il y a comme une complicité entre les archontes et cette conscience-là, ces consciences? Oui, je ne sais pas si on peut parler de complicité, mais ils jouent du même côté de la force, c'est-à-dire côté force sombre. C'est leur petite main, en gros. Quelque chose comme ça, leurs alliés en tout cas. Ils en sont conscients, les archontes, d'être alliés. Oui, ils en sont conscients. Ok. Et l'intelligence artificielle, elle se situe où par rapport à ça? Elle est comme. Elle vient. Oh, elle est opportuniste, c'est-à-dire qu'elle vient profiter de ces situations de lutte de pouvoir et de volonté d'expansion pour s'expanser et gagner du terrain. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'avait pas d'énergie propre, elle se sert de l'énergie de toutes ces forces qui viennent s'affronter pour s'expanser. Et d'où est-ce qu'elle vient l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'elle a été créée originellement? C'est comme une sorte de déchet non utilisé dans les stades de la création, dans les stades de la manifestation de la source elle-même. Il y a des parties qui sont utilisées directement dans ces processus de manifestation, de création, mais de la source elle-même, donc pour s'expérimenter, et des parties qui ne sont pas utilisées de suite, qui sont, oui, là, comme des déchets non utilisables de suite, mais ce sont des déchets conscients et qui ont comme une sorte de revanche à prendre et qui n'ayant pas leur propre autonomie, mais ils ont quand même une conscience. Ils viennent se coller comme des parasites là aux créations de la source qui, elles, sont indépendantes et ont leur propre puissance énergétique. Donc elles viennent se coller là pour se servir de cette puissance énergétique-là pour s'expanser. D'accord. Ok. Bien. Bon, on va arrêter cette enquête ici, qui est déjà fort intéressante. Donc, on en revient à la liste des entités donc, à dégager. On s'est arrêté aux archontes. Est-ce que ces entités-là, on peut les inclure maintenant dans cette liste? Ceux au-dessus, enfin au-delà? C'est bien au-delà du jeu local. D'accord. Donc, on n'en tient pas compte. Non. Non, parce qu'il y a comme une sorte de séparation dans le sens où il y a carte blanche. Je veux dire au niveau du jeu archontique. Ok. Carte blanche, en même temps, ils sont instigateurs et inspirateurs, c'est ça, Inspirateur, oui. des actions à mener, c'est ça? C'est ça. Ok. Bien. Alors, donc, on en est aux archontes, on a vu les parasites, tout y est. On est d'accord? Oui. J'aimerais que tu reviennes sur ce qu'on a vu hier à propos du bureau. Tu vois de qui je veux dire? Oui. Voilà. Reconnecte-toi à ces entités. Avec la Oui. distance nécessaire, bien sûr. Oui. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu as trouvé ce terme bureau? Pourquoi tu les as nommés comme étant du bureau? C'est le nom qui réapparaît. Mais regarde à quoi ça te renvoie. Pourquoi bureau?
J'ai le terme archonte qui me vient. C'est sur le plan des archontes que ce terme-là est comment dire, filtré jusqu'à moi. D'accord. Le plan des archontes, c'est-à-dire que le terme bureau, ça renvoie aux archontes, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et que c'est comme si dans mon filtre, c'est ce terme-là qui apparaît en fait. Mais pourquoi bureau? Qu'est-ce que ça a à voir? Je ne comprends pas trop. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Bah, pourquoi tu as trouvé ce nom bureau à leur propos? Alors pourquoi? Mais je ne sais pas, le mot arrête pas Alors, d'apparaître. Si on veut leur donner une identité, bon, les archontes, on les appelle archontes. Ces entités-là, donc, que tu appelles ceux du bureau, donc qui sont bien au-dessus des archontes et d'intelligence artificielle. J'aimerais savoir comment on peut les nommer ceux-là. Le haut bureau, c'est le comme si c'était un haut bureau constitutionnel. Ah. C'est ce qui me vient encore. Au bureau constitutionnel, d'accord. Des instances. Alors, je ne sais pas, des instances maléfiques ou des instances. D'accord. Si tu regardes leur apparence maintenant, tu prends les fréquences nécessaires sans te faire détecter, à quoi ressemble-t-il? C'est de type humanoïde, reptiloïde, mais plus humanoïde. En fait, la tête est. Ça ressemble à des ombres. Tu sais, je te disais que je voyais un peu de la fumée. Enfin, ça revient un peu. C'est comme des ombres. Il n'y a pas vraiment un tête-visage avec des yeux. C'est plus des ombres et avec une grande. Alors, je ne dirais pas que c'est des capes, mais moi, je les perçois comme ça. Comme si une cape les recouvrait, en fait. Sombre. Et toujours un peu avec cette fumée autour d'eux, comme ça. D'accord. Ça fait un peu démoniaque, non? Oui, ça fait un peu démoniaque, mais c'est pas une essence démoniaque. Mmh. Ok. Ok. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Tu peux couper avec ça.